Coucou et bienvenue sur Gescrap. Voilà, je reviens vers vous car on va faire des petits embellissements avec. Je vais vous faire deux embellissements avec ces deux petits cadres. Celui-ci, il en fallait deux comme ça. J'en reprends un autre. J'ai vu que celui-là était un petit peu tordu. J'en prendrai. Voilà. Voilà, celui-là, je vais le mettre de côté. Voilà, on va prendre deux petits cadres comme ceci que j'ai fait en plâtre avec les plis, avec la pâte de chez Action. Voilà. Donc, le premier, ce qu'on va faire, on va prendre déjà un petit moule. On va prendre une feuille de papier 250 grammes ou autre, hein, peu importe. C'est pour faire un fond. Donc moi je prends du blanc parce que peu importe la couleur de toute façon. Je le plie en deux pour que ça soit plus solide encore. Et là, hop, je colle les deux parties. Voilà, comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais venir le mettre, mon petit cadre. Ici. Alors pour ceci, je mets de la colle sur tout le tour de mon cadre et je viens le coller tout simplement sur ma feuille. Voilà. On attend bien que ça colle bien. Ensuite, on va prendre un petit truc là qui découpe là. Ou sinon, vous prenez un ciseau. Voilà. Et on va découper autour du cadre. Hop, par en dessous. Hop. Et vous découpez tout le long. Enfin, tout le tour du cadre. Hop, comme ça. Alors moi, ça va super bien parce que vous avez vu, il y en a des droits et des courbés. Donc, moi, j'en ai un droit et un courbé. Et ça, le courbé, pour aller en dessous, pour découper, ça va super bien. Donc ces petits trucs là vous les trouvez chez Cultura ou autre hein. De toute façon il y en a un peu partout de ça Picouic machin ouais. Il n'y a pas de problème vous en trouvez dans le rayon scrap voilà une fois vous avez bien coupé vous regardez bien si ça colle là j'ai une petite partie qui colle pas donc et ben on recolle simplement. Voilà. De toute façon, après, ça sera caché. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre une petite. Comment? Un petit. Justement. Ah, oh, un petit embellissement pour mettre en dessous. Petite dentelle ou autre. Bon, je vais prendre un papillon. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir le poser dessus comme ça. Voilà. Donc là, je colle. Vous pouvez prendre autre chose si vous voulez, hein. Un autre embellissement de votre choix. Vous le collez ici. Voilà. Déjà. Alors, j'enlève ma colle qui est en dessous. Et ça vous fait ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de garder ça. Si vous avez envie de faire autrement, vous le faites autrement. Moi, je l'ai mis là-dessus parce que j'aime bien aussi. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Ensuite, eh ben, on va faire, c'est là qu'arrive la petite chose. La petite décoration. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais prendre une petite fleur comme ça. Je vais venir la coller ici à l'intérieur. Donc. Bon, bah c'est tout, j'en prends une autre. C'est pas grave, hein. Voilà, vous prenez votre fleur et vous venez la coller au milieu de votre cadre. Vous pouvez en mettre plusieurs ou comme vous voulez. Moi, j'ai choisi d'en mettre une.
Donc voilà, je fais avec celle-ci. Et ça vous donne. Alors j'ai mis de la colle là. Et ça vous donne ceci. Ensuite, je vais mettre une petite image. Donc moi de mon choix, c'est porté sur le petit lapin. Et mon petit lapin, je vais le mettre au niveau de ma fleur. Voilà, comme ceci. Donc vous allez le coller à l'intérieur de votre petite fleur. Hop, vous mettez de la colle là. Vous en mettez sur tout le tour. Et vous le mettez. Vous le posez dans votre petite fleur, dans le pétale. Voilà, ça vous donne ça, regardez. Maintenant, on va finir de le décorer. Donc, ensuite, je reprends une autre petite fleur ou un cœur. Est-ce que vous avez envie? Moi, je vais prendre un cœur. Je pense, ou alors des petites fleurs. Je vais regarder. Je vais lui mettre une petite fleur ici. Voilà. Je vais lui en remettre une juste à côté. On va rester un peu dans les mêmes tons. En rajouter une ici. Oui, je vais mettre celle-ci. Hop, voilà. Je vais mettre un petit truc ici et derrière. Donc derrière, je certainement ça fera trop grand. Ça devrait aller. Je vais le laisser comme ça. Ouais, je vais le laisser comme ça. Par contre, là, je vais découper ici le petit bout. Voilà, des deux côtés. Voilà. Je voudrais mettre une petite fleur quand même derrière pour que ça fasse joli. Genre, faut chercher la petite fleur hein, naturellement qui va avec. Voilà. Je vais lui mettre un petit cœur. Alors. On met un petit peu de colle pour venir le coller derrière. Voilà. Et je vais lui remettre ça. Non, même pas. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Ici. Je vais y rajouter une petite fleur. Là, je vais y mettre une petite fleur. Voilà, au milieu. Et là, je vais lui faire un joli petit ruban. Joli petit nœud. Ah. Vous allez voir. Faites ça. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quelle image. Moi, j'ai choisi le petit lapin parce que je voulais quelque chose de tendre. Et vous voyez, avec un rien,
Même dans les petits cadres, on peut faire des jolies décorations. Après, vous pourrez par la suite les mettre où vous voulez. Je suis en train de faire mon petit nœud. Voilà. Et je vais venir le mettre ici. Par contre, avant de le remettre, je vais mettre un truc comme ça. Ça me plaît bien. Prendre ma petite pince. Et les petits embellissements, vous pouvez en faire de plein, 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 plein. Plein, plein, tout plein, tout plein. Mettre ça ici. Voilà. Et là, je vais mettre mon petit nœud. Je vais le mettre ici. Alors, je vais couper le petit bout. Et je vais le mettre là. Ça va vous faire une jolie décoration. Hop là. Regardez ça. Ça vous fait une petite décoration comme ceci. Un joli petit lapin. Après, vous pouvez l'adapter. Là, j'ai une bobine. Vous pouvez le mettre sur une bobine ou autre. Vous avez vu? Vous pouvez la mettre où vous voulez. Et ça vous donne, avec un petit cadre, ça vous donne ceci. Voilà, ça c'était le premier embellissement. Ensuite, avec le deuxième petit cadre, on va faire aussi un embellissement, mais alors celui-là tout simple. Vous allez voir, ça va être tout simple. Moi j'ai pris une étiquette comme ça, de la couture Tilda. Voilà, ce que vous faites, vous prenez ça, vous prenez votre cadre, vous mettez de la colle, je reprends. Vous en mettez tout le tour et vous venez coller votre image, votre cadre sur l'image, mais vous laissez passer les roses sur les côtés. Mettez comme ça. Regardez, et vous laissez dépasser les roses. Ça vous fait ceci. Ensuite, vous prenez un morceau de dentelle de votre choix. Je vais prendre celui-là. Vous retournez votre embellissement, vous amenez de votre cadre avec votre image. Après, vous prenez l'image que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-ci parce que j'ai trouvé que c'était, ça faisait bien aussi. Hein, voilà. Et vous mettez votre dentelle tout autour. Vous suivez votre image. Faites ça tout le tour. Et là, il n'y a pas plus simple que de faire un joli embellissement. Vous allez voir. Vous collez. Vous collez, voilà. Et on coupe. Raccorder les deux petits bouts. Voilà. Et regardez. C'est tout simple et efficace. Ça vous fait un joli embellissement que vous allez pouvoir adapter sur n'importe quel support. Vous avez vu? Voilà, ça vous donne ça. Alors, ça vous donne celui-là et le petit embellissement que je vous ai fait là. Parce que celui-ci, je vais le mettre sur une boîte que je viens de décorer.
je vous montrerai. Et ça vous fait des petits embellissements tout sympas et tout simples à faire avec des petits cadres. Voilà, voilà mes petits abonnés. Écoutez, sur ce, je vous fais des énormes gros gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chanel Scrap.